Salut tout le monde, on se retrouve après avoir refait la fin de l'épisode précédent où on a pris un tout petit peu plus cher que prévu. Du coup, on va se faire un long repos et là, il y a Des gens un qui de veulent nos parler. compagnons qui veut nous parler. Donc, on va aller tailler Juste en bavette. En tout bien, tout honneur. deux des compagnons qui veulent nous parler. Deux! Oh là là, mais quelle bande de blablateurs! Intéressant et. Ces gens qui causent, je te jure. Ouais. Allez, il y a la best girl qui veut parler. Ah, Garlash. Au début, j'ai cru que t'avais dit autre chose. Soldier, my engine. Elle a mal. It hurts. I think this might be it. C'est ton cœur. Soon. Things burning hotter than I knew it could. I want us both to be ready if. Well. If we can't fix me. Bit sweaty, but up for whatever's next. Ugh. Thanks, soldier. Can't wait to be home. Anything that comes after that is extra. Elle va crever. Ouais. Probable. On l'a pas aidé. Bah ouais, mais quand tu joues à 4, t'en as rien à foutre de la vie de tes compagnons. Ah wow, mais elle a des épées, Jaira. Incroyable. Ouais, ouais. Hein. On peut pas les choper. Non. Katox, je te laisse la primauté de parler à Gale. Non, on va envoyer. envoyer Temir, hein. Ça va encore partir en soirée bizarroïde. Moi, je t'ai donné. Ah, vas-y, si tu veux. Attends, je vais en soirée avec Gale, moi. Let's go. Contre, moi je suis marié à ma statue, alors c'est bon. Là, il y a un mugwort, c'était bien, c'est pour moi. Il y a du loot. Mais attends, il y en a un autre derrière Gale. Visit a sorceress Sundress. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Non. J'ai trop envie de dire la 2. Vas-y, dis la 2. Bookshopping. But yes. Their collection of rare tomes is unparalleled. Nethery sects are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Oui, bien sûr. Quel optimiste. Allez, on va faire dodo. Ouais, ouais, je suis presque déçu qu'on ait lancé l'épisode là-dessus, hein. Après, on a peut-être aussi pris les réponses qui permettent d'aller vite. Je sais pas. Non. Bah toi, avec Carlage, c'est sûr. Mais... Ouais, définitivement. Mais de toute façon, elle va crever. Bon, hey. Allons nous reposer près du feu dans une grange à côté de totalement beaucoup de paille. C'est la go. Exactement, pas du tout inflammable. Non. Ah, mais. J'ai mis oui. Ah, alors pardon. Non, non, mais. Ah, mais putain, c'est lui qui parce que... Non, 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 mais attends, j'ai dit oui, mais là il y a marqué un autre joueur est en train de choisir les trucs pour le camp, et en fait j'ai vu un bouton et réflexe, j'ai même pas lu, j'ai cliqué, et il y avait marqué annulé. Ah bah bravo. Bon réflexe. Bah, on se refait pas, hein. Il y a une interface, il y a un bouton, on clique. Il y a le temps de lire de nos jeux. Du coup, c'est il fallait bien que tu fasses une boulette durant l'épisode, sinon c'était pas toi, là, t'as explosé. Là... Pourquoi ça ressemble à du pipi? Pardon, qui fait les provisions avec qui? C'est mon liquide de cigarette, je sais pas, il change de teinte et au fur et à mesure il devient de plus en plus jaune et là on dirait vraiment un test urinaire le bordel. Ah c'est génial! Ouais ouais bah bisous. Oh hein. Allez petit Pourquoi c'est moi? Allez hop! Non c'est moi. Pas privé. Non, c'est chacun chez nous. Ah, clairement moi j'avais un zoom sur le putain de ma bonhomme. It's you. I must have let my mind wander. C'est la waifu avec les tentacules. C'est plus trop la waifu là. I am drained. Ever since you killed Catherick and took his netherstone, the chosen's control of the brain has been. C'est la waifu Cthulhu. It's rebelling against Orin and Gortash. Fiercely. I suspected that when we took Catherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now,
when it receives their orders. And I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Elder Brain enslaved is one thing. An Elder Brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while. Now that you are here, your company Tu veux dire que sa compagnie te... Oh, c'est dur quand même. Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Duke Stelmane, or Belin, as I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Belin was different from my relationship with you. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Belin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. J'ai une option, un petit câlin. I could not have done any of it without her. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux un câlin, mais non. Ça aurait été très drôle à animer, quoi. Surtout, où est-ce qu'il serait allé les tentacules pendant ce temps là? Ah, ça. What I feel is deeper than superficial cures can reach. And not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. You have shown me great empathy. We are closer now. Close enough, I hope, that I can ask you to reconsider your position regarding your physical. Ah là, il essaie de me faire devenir un flagellant mental. I know it is no easy choice for you, but we will have a far better time ridding the city of Gortash if you accept just a touch of illithidness. Not to mention the Elder Brain itself. Our chances against it greatly improve the more illithid we both are. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Eh ben, c'était sympathique. Des informations, des informations, des informations. Des PV, du des points de sort. En charge. Quoi? Ah ouais, vu que moi je suis avec ma popo pour avoir plein de force, chaque fois que je me réveille le matin, je suis aussi fort qu'un cure-dent. Ah. Avec Carlac qui veut nous reparler. Voilà, ça va mieux. Bon, par contre, si on peut trouver un marchand pour que je vide mes sacs, parce que moi c'est le bordel, hein. J'ai plein de merde à vendre. Ah mais je fais la brouette, certes, mais au bout d'un moment, il y a une limite à la brouette. The Archduke of Baldur's Gate. What a sham.
Attends, attends, on dirait que t'es pas content. Really intend to be his ally, do you? Ah si, mais... Tout ces temps qui traînent. Fair enough. Now that he's within reach, I don't intend to let him slip away. Qu'est-ce qu'il voulait, Carvache? On casse la gueule à Gortache. C'est ce que je pense qu'on va faire, hein, parce que dès qu'on va descendre... C'est vraiment en temps soit peu en lien avec ses gardes d'acier. Si je quittais le camp, ce serait pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais. Je suis sûr que je suis là par rapport à vous. Non, ça va. J'étais le premier à arriver. Ah, moi j'étais même pas parti encore. Pourquoi une cuve Nautiloïde dans le... Ah, parce qu'on m'avait foutu dans mes sacs alors que ça pèse 25 kilos et que ça vaut une pièce d'or. Je vois pas trop l'intérêt oui, d'avoir ça dans mes... Je l'avais sur moi parce que je pensais la balancer sur la gueule d'un des trucs d'acier là, garde d'acier, et au final, bah... Non. Ça pèse 25 kilos, tu... C'est, oui, ça, et en c'est plus, la... j'ai pas pu lui lancer sur la tronche. C'est la moitié de ton poids en plus, je suis sûr. Oui. Vous avez lu tous les bouquins qui étaient sur la table ou pas? Non. Une bonne partie en tout cas. Mais ça se vend. Non, non, mais sur la table, là où on était, là, il y avait 10 milliards de livres. Bah, je sais pas, j'ai récupéré les plats en argent, mais... J'ai comme qui dirait l'impression qu'il y a plus de... Il y a plus d'échelle ici. Comment on fait pour descendre? Ah, c'est... On a quelqu'un qui a Featherfall avec nous. Attends, qui ça? Je suis pas là. Bah, toi. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Oh putain, il a couru. Il est où, sans foyer? Ah, je m'en fous, moi. Je lui dis que je te colle au basque maintenant. Au pire, je peux te faire une télékinésie et t'envoyer sur le sol. Non. Ouais, petit joueur. Non, je peux Misty Step si jamais, mais... Je crois qu'avec Featherfall, on peut sauter jusqu'à la grotte là-bas. Oh, Featherfall, tu peux sauter. C'est pas incroyable. Non, c'est trop loin. Il y a écrit que c'est trop loin. Attends. Est-ce que déjà, on peut sauter sur le pont? On peut sauter sur le toit de la maison en face. On peut sauter jusque là. C'est moyen, c'est classe. Je saute sur la maison alors? Bah same. Allez, ciao. Attends, si on fait... Ouais, je me doute que c'est... Si on monte comme ça, et puis qu'on fait... Après, faut redescendre hein, quand même une mire à un moment donné. Parcours! Est-ce que vous voulez pas sinon, qu'on Featherfall, il va pas durer éternellement? Ah ouais, bah regardez, hop là, Featherfall! Attention, saute là. Je me suis TP. Ah, comme ça, j'ai vidé mes sacs auprès de marchands. Eh! Hey. Ah, attends, t'es un marchand? Oui, il est un marchand, bah non, c'est mais parfait. Tant qu'à faire, je vais te filer des trucs. Alors, flèche. Bah, c'est ces trucs surtout à la marchande qu'il faut lui rendre. Si les catox, tu nous remets une. Ah, j'avais une flèche de destruction des automates. Ouais, non, c'est trop loin pour moi. Ouais, bah, on va passer par ici. Oh, la masse du clown. Tranquille, ça ne déclenche pas de combat. Sérieux? Alors que normalement il est censé être lié par la lame ou je ne sais d'un quoi à tout ce qui se passe au-dessus. Donc toutes les tenues que j'ai dans mon sac, c'est bon, je peux les vendre? Ouais, vas-y, moi en tout cas je m'en sers pas. Ah, tu voulais de l'eau aussi l'autre jour? Bah non, bah attends, j'en ai plus d'intérêt, je balance plus de sorts électriques. T'en as quand même. Ouais, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il a totalement respect. Ah, il n'y a plus d'or. Ouais, mais franchement, enfin, multiclass sur BG3, je suis vraiment pas convaincu. Hein. Enfin, en tout cas, si tu choisis. Comment dire? Si tu choisis pas une. Hein, quoi? Pourquoi je suis bloqué maintenant? Allô? Parce que t'es nul! Ah non, mais. Oh non, mais. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mais j'ai voulu parler à un marchand pour vider mes sacs, et là, en gros, c'est comme si j'étais en. Mon perso, il est bloqué. J'ai pas la fenêtre de. Ah, si. Il est bloqué. Ouais,
J'ai tendance à bloquer. Tu es bloqué. Ok. Coup, faut qu'on aille où pour défoncer Gortash. Aurin, là. Ah, Aurin, bah dans Baldur's Gate. Ouais, c'est pas pour. Parce que Gortash il est à l'étage du dessus, tu vois. Oh non, c'est chiant ça. Je vais garder ça, on sait jamais. C'est vrai que l'élixir du colosse ça te met en large direct, c'est chiant. Ah ouais, c'est mais ça te fait gagner. Ouais, mais du coup t'es trop grand. Ah bah c'est sûr que si tu veux te glisser dans une petite crevasse, il va y avoir des petites difficultés quoi. Ah bah oui, après peut-être que je choisis pas de faire 4 mètres de haut pour essayer de t'infiltrer. Bon, où est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, parce qu'il y avait toujours un truc dans les prisons à fouiller, non? Toujours, moi je suis toujours dans la forteresse du drac aussi. Je suis à côté de toi. Bah moi aussi, mais il y avait un truc dans... J'arrive, moi j'ai, dans la j'ai prison. Encore, j'ai pas encore réussi à tout vendre de ce que j'avais dans mes sacs, donc... Attends, je te rajoute. Vas-y, écoute, à ma foi, un peu plus, un peu moins. Là, les venteurs. J'ai plus rien à vendre. Là. Ouais, let me see. Paf. Alors, la pierre. Les plats et gâteaux en argent, les gobelets. Allô. Ouais, ouais. Non, c'est le jeu qui. J'ai peur. Hein, a... Ça fait des frises à chaque fois que je vends. Bien, quoi? T'as des élixirs qui traînent ou pas? Oh attends, c'était tenu. Alors tu veux des élixirs de quoi? Généralement soif de sang, mais alors. Vous continuez à me filer des merdes. Ah moi j'ai c'est bon, hein, j'ai plus rien dans mon inventaire de données là. je vends des trucs, le sac qui se remplit dans l'autre sens. J'ai la base, héroïsme. Void bulbe. Ça je vais le garder, void bulbe. Ou alors vicieux. Bouteille d'eau, tu veux en avoir quelques-unes avec toi ou pas? Ou je les garde et comme ça j'humidifie des mecs quand tu veux leur balancer de la glace et du... J'en ai 9, garde. Bon bah je vois alors les 28 bouteilles que j'avais sur moi. Bon, va falloir décider, est-ce qu'on tente de tuer le Gortash dans sa salle du trône entouré de ses gardes ou pas? Je sais pas si c'est possible. Ah bah foi, franchement moi je suis... Ah tiens, il y a une potion de vitesse, paf, je prends. Dans ce jeu tout est possible, c'est juste que... Est-ce que c'est faisable? Attends, je regarde, c'est chez le marchand s'il n'y a pas des trucs pour toi. J'ai un élixir de méchanceté, tu vois, si tu veux. Ça fait quoi? Je sais pas. Comment est-ce que je peux le savoir? C'est quelle couleur? C'est bleu. Non, ça m'intéresse pas. Ça fait très couleur méchante comme le bleu. Ah le méchant. Et au risque de me répéter, il y a toujours un truc dans les prisons qu'on n'a toujours pas été voir. C'est quoi? Laquelle? Une porte cachée là. Ouais, le truc. Mais plus tard, t'auras. On revient, c'est ça. Il y aura des indices qui nous permettront de comprendre comment on peut passer le truc donc. Ah, mais il y a un endroit où on n'est pas allé. Je vais voir le marchand de potions. Hop. Ben, un endroit où on n'est pas allé, genre de l'autre côté du pont. Non, il y a l'espèce. Non, c'est de ce côté-là, mais c'est l'espèce de Gitoun là. Il y a un truc. Attends, j'y vais, je vais voir ça. Ah, mais attends, il y a peut-être une quête qui fait ça. Bon, c'est quoi déjà le nom de ton truc, toi? Oh! Oh, bah tiens, ça c'est. Hop, c'est pour Bibi. Non. C'est quoi, c'est des doigts de géant? Là j'ai. Ouais. Une potion de géant. Attends, c'était quoi ton truc? C'était Workfang, c'est ça? Elixir of Bloodlust, paf, j'en ai trouvé un. Bloodlust, c'est incroyable. Ouais, c'est pour ça, j'ai trouvé un croc. Ah putain, j'ai des trucs pour faire des élixirs de Battle Mash, c'est bien pour Arda. Une petite caisse. Bah rien, elle est vide, super. Héroïsme. Il y avait rien dans cette Gitoun quoi. Bon, va falloir décider un peu. Mais non, on va pas le tuer là, faut continuer à la suite là. Ah, y'a. Donc vous êtes où ce que là? Pourquoi y'a une. Pourquoi y'a un démon devant là? Parce que c'est Mizora. Mizora? On attend. C'est moi, je suis là. Bon, bah, je vais lui parler. Loin derrière. Oh,
Ouais, bah, sa petite chambre. Hein. De toute façon, j'ai déjà vu le dialogue. Poor thing, he's had a tough go, and you don't know the half of it. Comme ça, en plus, photo bombe, j'ai bombé le la discussion. Où est-ce qu'il l'a emmené? To his death, the way I hear it. Such a shame. And to think, there's no way to save him. Oh, une connasse. Je l'adore. De toute façon, je m'en moque. I know enough. Let's talk to Will in your camp. Work something out. The Duke's life depends on it. Bon, on doit retourner au camp ou on attend? Si on peut y aller maintenant, là... mais... Bon, soit dès qu'on ira au camp, ça se déclenche, je crois. Ouais, bon. La vie du duc, on s'en bat les couilles. Ah, donc là, on va enfin, on va enfin pouvoir rentrer dans... Baldur's Gate. Mais avant ça, on va faire du commerce. You are entering a different region. Zut. Je crois que ça fait bien 10 épisodes qu'on a dit qu'on arrivait enfin à Baldur's Gate. C'est là la richesse du jeu. C'est qu'à chaque fois que tu crois que tu vas y être, et bah non, paf, il y a encore un truc qui te tombe sur le coin du pif. Et là, eh ben non. Mais moi, je pensais qu'on allait fighter un gros truc ici au Dracostyr. Bah normalement Gortash, mais on a décidé que non. C'est bizarre parce que j'ai réinspecté le niveau 0 là et j'ai pas vu d'endroit où il était. Si si, c'est pas au niveau 0, c'était juste quand on redescendait de la tour, il était encore là. J'ai rien compris parce que l'icône de la quête pour confronter Gortash c'était pas du tout au même endroit, c'était au niveau de la salle tout en haut là où on était où on a fait le combat. Ah oui, oui, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il va se dire, il se dit d'abord, oui, garde, occupez-vous d'eux, moi je m'en vais. C'est marrant, il y a plein de quêtes ici. Oh, Dame. Oh, quel enfer. Mais... On va encore se perdre pendant trois épisodes. Mais non, on va pas se perdre. Ah, si jamais... Ah, mais on avait... Non mais ça veut dire que là, c'est dans ce carte là où on va trouver des indices pour le truc de la map d'avant, c'est bizarre. Hein ouais, ce sera un peu plus tard. Alors, par où qu'on va? Au premier, enquêter sur les meurtres. Pourquoi j'ai un mendiant qui est zombie? Encore. Ah, ça c'est pareil. Ça... Une side quest encore. 30 000 side quests, on va encore. Ah bah. Vous êtes parti déjà. Mais t'es où toi? Je sais pas. T'étais devant un point de TP, là il y a. Ici, là il y a. Ah là c'est un temple là où t'es, devant. C'est un temple avec un marchand qui. Qui vend des trucs. Ouais, un marchand généralement ça vend des trucs. Ouais. Non, mais c'est un prêtre. Un prêtre qui vend des trucs. La cohérence. Et on peut se balader dans les souterrains si on veut se faire de la thune. Donc vous êtes parti là pour faire du commerce, encore une fois. Absolument pas. Je sais même pas où elle est partie. Là on est dans le temple en train de discuter avec J'ai fait 3 mètres, j'ai vu une porte, je suis rentré dans la porte. C'est indicateur de quête. Mais enfin, il n'y a pas d'indicateur de quête, c'est genre en allant vers l'indicateur de quête, j'ai vu un truc, je vais voir le truc, tu vois, genre Of course my child within limits. Il a maxi potion. Des équipes qui servent à rien. Est-ce que tu m'as renvoyé les composants
Hop, je te les envoie. Ça, si vous voulez que je vous fasse des popos, je vous les ferai. Bah ouais, mais le truc c'est que moi j'ai que j'ai récupéré un peu de composants, mais je sais pas ce que t'as dans tes sacs, donc vu qu'il t'en faut 3 de chaque. Quiète, on va regarder ça. Paf. Toi, franchement, si tu veux faire les trucs de match de bataille, tu pas pour. Hein. Tu les as envoyés ? Oui. Directement dans ma bourse ? Oui. Oui, oui, je te les ai mis sur ta bourse. Titre. Wink, wink. Wink, wink. Élixir de puissance de mage de combat. Oh, c'est bien ça. Ah, mais il y a une porte là. Hein. Alors, géant des collines et des nuages, je peux toujours pas faire. C'est plus ça que je comprends pas, c'est comment vous pouvez ne pas, dès que vous voyez une porte, aller dedans, genre. Parce là-bas. Que moi, je vais là où il y a des quêtes à. Mais attends, mais faut. Enfin, la quête, c'est vachement loin, il y a des trucs avant, hein, avant les quêtes, genre ça, tu vois, c'est ça que je comprends pas. D'abord, je vais à la quête et ensuite, je fais les autres trucs. Qui veut un élixir de soif de sang ? Tu vas te balader partout, tu vas oublier ce que t'as fait ou ce que t'as pas fait. Moi, alors, moi je vous dis, hein, si on veut faire de la moula, là, ici, on peut se faire de la thune. Et bah en avant. Hein. Mais là, mais. La question, qui veut un élixir de soif de sang ? Alors, moi j'ai dit oui, mais je peux redire oui si tu veux. Bah, parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé en même temps, j'ai pas entendu. C'est moi l'élément perturbateur, c'est ça ? Non. Donc, vous voulez qu'on aille se faire de l'argent et on s'en fout des quêtes ? Non, mais on peut faire la... Non, ouais. Non, mais c'est quand tu vois un marqueur de quête, tu t'y diriges, mais si tu vois un point d'intérêt avant, tu t'arrêtes au point d'intérêt, c'est toujours comme ça. C'est un temple, c'est pas intéressant. Bah, la preuve que si, genre, c'était un marchand, et en plus, il y a un endroit pour faire de l'argent. Ah bah, si on va récupérer des objets qui valent de la thune, qu'on peut revendre après. Donc c'est la trappe en bois décoré, là, qui est verrouillée rouge ? Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut sneaky dedans, donc il faut... Attendez, mais si avec ça, je vais faire un spectacle de claquettes au gnome. Ah, t'es en train de dire qu'il faut que j'aille déverrouiller le truc ? Oui. D'accord. Hop. Oh, il est rangé de livres. Histoire de la magie. Vas-y, je fais genre, je vais faire du commerce, vas-y mec, vas-y. Attends, mais elle est où, là ? Oh, il y a plein de parchemins. Ah, le manteau du guerrier saint, en soi... Je pourrais vous filer un des 4 de dégâts radiants supplémentaires pour les attaques. Hop, c'est parti. C'est bon ? T'es dedans ? Hop là ! Et alors maintenant c'est moi qui dois passer, et moi qui ai le moins de fufu. Vous passez. Vous êtes tous dedans là ? Mais non, je suis en train de piller les coffres et les parchemins. Dans le temple, on est dans le temple. Hein. Ah, bah, il me dit le premier truc sur le... quand on rentre, moi je suis dans une espèce de caserne à la con, et puis en fait vous êtes la porte suivante. L'autre truc, j'ai fait la porte de. J'ai compris que la caserne s'était loupée, hein, je t'avoue. Il y a la caserne, puis après t'as une petite ruelle, et toi t'es 3 portes plus loin, donc ça critique. Et voilà. Bon, faut aller où ? Pas suivi. Ah, je peux faire une offrande à une statue d'un dieu. Qu'est-ce que je vais lui donner ? De l'or. Non, file pas de cul. Donne ton prépuce, ils aiment bien ça. Chaud d'invisibilité, tiens, hop là. Ah, il y a une trappe dans le coin, effectivement. Oui, alors par contre, faut pas se faire voir par le Kiki Bonhomme, sinon il est pas content vu qu'on a rien à foutre là. Bah, je suis passé. Moi, je saute par-dessus le piège. Hop. C'est quoi ce temple des dieux qui est hyper vénère là ? Ah. Ok, super. Ça a perception fort ici, hein. Piège de merde en tout cas. Attends, je vais sauter sur la droite, attention Katox. Potentiellement je tombe sur un piège. Hey, ah bah super, j'ai. Ah, let's go, je me suis pris le mur. Bon. 1/2 que le coffre il est piégé. Allez, 22. Amulette de dévotion. Vous bénéficiez d'un bonus de plus 2 au jet de sauvegarde contre vos sorts. En volonté divine, vous gagnez une utilisation supplémentaire de conduit divin. Une fois que vous l'avez utilisé, vous la récupérez. Ah mais ça, tu vois, je serais resté prêt, j'aurais été là. Oh, c'était l'objet de dingo. Bah tiens, tu peux la prendre du coup. Réprimande divine. Comment ça, réprimande divine ? Il faut... Ah putain, y'a personne qui peut retirer les... Qui peut dispel les...
Non mais si, j'en ai un, j'ai une potion, là, j'ai chopé une potion qui fait ça. Je crois. Ah oui, c'est vrai que j'ai peut-être ça aussi dans mes sacs. Elle meurt instantanément. Alors par contre, vous êtes prêts pour la bagarre ? Ah pas du tout. Hein. Laquelle ? Tu es toujours pas là. Hein. Ah, bah si, d'accord. Je suis en train de piller les coffres. Mais où ? Bah juste devant ton nez. T'as une potion qui permet de retirer les... Mais je crois, il y avait un élixir de soin. Ah, t'es de l'autre côté de la porte en fait, c'est ça ? Ah, j'ai un truc contre les, contre les poisons et les maladies, mais pas contre les... Bah moi elle est ouverte. Et y'a pas un pare-chaud anti-malédiction Franchement, j'ai pris le coffre des offrandes, mais j'ai pas envie d'aller choper les offrandes aux dieux nommés. Mais si, il faut. Ah, y'a un coffre là qui est pas nommé. Allez, hop, on y va. Du coup, c'est quoi ton problème, tu disais, Weird ? J'ai une malédiction, je suis cursed. Est-ce que tu peux me décurst ? Putain, mais t'as fini de péter tous les pièges là. Quel enfer, quoi, vraiment. Je suis en train de regarder hein, si j'ai un truc qui pourrait... Me filer des trucs. Attends, j'en avais pas une. C'est quoi ça? Élixir de santé, aveuglé, paralysé, empoisonné. Non, c'est pas du tout fou. Ah, attends, sinon j'ai peut-être une flèche qui me permettrait de me. Bah, je peux pas me jeter une flèche sur la gueule. C'est bon, j'ai pété le piège. Ouais, non, j'ai pas grand chose. J'ai pris les coffres à offrande, mais j'ai pas touché à ceux qui étaient nommés. Hein. Ok, là il y a un marteau qui a l'air incroyable. Concentration, arcanique, là, larve, méchanceté, corps nécrotique, élixir de résistance universelle. Non, j'ai rien pour. Que t'es cloué au sol là ? Ah non, du tout, c'est qu'il faut retirer la mallet pour faire la bagarre. Attends, mais là il y a un truc, il y a quelque chose pour faire un élixir de cultivation arcanique suprême. Ouais, et c'est pas suprême. Ça. Cultivation arcanique suprême, ça file des. Ça file un, comment dire ? Un spell slot de plus. Bah c'est pour ça, c'est incroyable. Mais oui, mais ça résout pas mon problème. Ah non, mais je suis d'accord, mais tant que t'es maudit, tu veux pas aller prendre tous les coffres ? Ah, si. Ouais, voilà. Avant d'essayer de te démaudir. Non, c'est bon, y'a plus de pièges, je les ai tous déjà en fait. Et alors, je suis désolé, j'ai rien pour te démaudir. Un marteau. Mais si, j'avais un truc tout à l'heure, après... Un shield. Pourquoi je suis en fufu? Qu'est-ce que j'en ai foutu tout à l'heure? Oh, et des compos! Bah oui, hop là! Excuse-moi, que je disais, mais je pouvais pas les. Pourquoi je t'ai envoyé de la bouffe? Bon, je sais pas, j'ai mis clic. Ouais, bah, c'est pas comme non, si ça me surprenait. Hein. Non, mais ah. Je les ai envoyés à Arda. Et parce que là, il y a la bagarre, tu dis? Il y a la bagarre avec qui? Ah, normalement, si on me retire la malédiction, ça fait la bagarre. Oui, mais je sais pas comment faire. Putain, t'as pas un pare-choc pour les... Alors, éclair, animation des morts, assassin imaginaire, miroir... Bah si, regarde, remove curse, hop, je prends. Bon, vas-y, prends, parce que je sais pas comment t'as fait pour le voir en un clin d'œil comme ça, moi j'ai vu la tonne de pare-choc que j'ai. Prêt pour la bagarre ? 3, 2, 1, partez. Incroyable, un ange ! Débat. Il a pas l'air choucard, hein. Allez, tiens, rentre. Ouais, pendant qu'il est en train de barrer la gueule. Par contre, il est vraiment énervé là, s'il vous plaît. Vous pouvez m'aider. Je t'ai mis autant de protection que je pouvais. Eh ben, je t'en suis bien urbain. Il a pas l'air choucard, hein. Tiens, prends ça, du con. Armement permanent, tac. Vas-y, va jouer avant moi. Résistance au radiant. Ouais, tiens, je vais lui faire ça dans ta gueule. Tiens, prends ça. Tiens, allez. Quand il a vraiment une tronche de suffisance qui est horrible. Il est en bail là. Ah, attends. Hey, t'es pas un chérubin, hein, t'es censé être habillé, hein. Est-ce que on. Ouais, vas-y, je me venge. Ah oui d'accord, ça invoque un élémentaire de feu quoi. Ouais, c'est peut-être un petit peu overpété pour ce qu'il est quoi. Mais non mais je l'invoque comme ça il sera avec nous tout le temps, donc tous les autres combats qui vont venir il sera là. Bah ouais, oh. Mais après on va se balader dans la ville. Est-ce que c'est un humanoïde? Ah non, ouais, ça reste. On va se balader dans la ville avec ça, y'a aucun problème. T'as l'air d'être un humanoïde. C'est pas comme si quelqu'un voulait relever une momie par exemple. Non, c'est marrant, il fait ça après toi. Bah oui, en même temps c'était moi qui... Ah, vous savez quoi? Je crois que je vais pas le taper.
Moi je me suis pas battu contre un soldat de dieu. Voilà, par contre je le loot. Espèce d'enfoiré. Parce qu'il n'y a pas de petit profit. Bon, bah voilà. Rien. Attends, regarde. Oh yes. Ah, oh, ça c'est beau, ça c'est bien. Ah, alors là tu me fais très plaisir. Ah, t'as vraiment converti le Deva en momie, quoi, putain. Mm-hmm. Là on va sortir et le prêtre il va être en mode mais qui sortait de chez moi. C'est ouais. Pourquoi vous avez une momie avec vous Bon, ce que je vais refaire c'est la délier de moi et la planquer dans un coin de la ville, sinon personne ne voudra jamais me parler. Bon, superbe. Alors, allons dans la caserne. La 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 la. C'est délire. Ah, il est très beau votre temple. Hein. Splendide. Il faut faire les trucs un par un parce que sinon, après, je te dis, on va jamais s'en sortir. Hein. Ça a l'air gigantesque la carte. Ça l'est. Ça elle l'est. Il y a un papier par terre. Bon, rappelez-moi que j'ai une momie qui traîne quelque part et que je dois aller la récupérer. Ah, pourquoi tu la récupères pas? Bah, parce que si je m'approche dans certains quartiers, il me fuit. Avec un... Ah, attends. Ah, bah oui, mais ça en même temps. Bah, c'est bizarre. Hein, qui n'a jamais une momie de compagnie, je suis navré. Mais... Surtout que la démocratie aussi, c'est plutôt toléré donc. Une porte. Ah non, vas-y, 4. Après, on s'étonne que on dise que les policiers soient corrompus, quoi, mais regarde. Quel enfer. Bon. Alors, il y a des papiers à lire, hein. Vous voulez reparler encore? Ah, mais toi, t'es allé faire la quête, en fait, Katox. Ouais, j'ai été parler, hein. Voilà. Ah mais non mais t'es dans le truc, okay. Madame, tell me. You said... Elle est pas nette la bonne femme. Taken from a tavern? Yes. The blushing mermaid down by the docks. I told you 100 times. Why aren't you listening? Excuse me, citizen, but if this is a criminal matter, it's my business, not yours. Now, madam, if you'll just tell me why you're here, I'll take down the details. What is happening? I feel like I'm going mad! Her name is Vanra. She's 7 years old, and has red hair, like me. We were in the Blushing Mermaid when she was taken. C'est pas la fille qu'on a recueillie dans notre camp ? Je sais pas, peut-être. Elle s'appelait pas Vanra, c'était C'est autre chose. Cunégonde là. And the owner of the Blushing Mermaid, Captain Grizzly. Neither lifted a finger to help me look. It was awful. Tu vois, si on n'était pas venu là, on n'aurait pas eu cette quête hein, là. Ça se trouve, la direction de la quête, c'est vers là où on va après. Ouais, quel jugement. Moi aussi, j'ai du mal à me rappeler de mon prénom. Quelques minutes, pas plus. Ouais. Come find me the moment you hear anything. Les gens qui demandent des quêtes comme ça, c'est un peu comment se dédouaner pour pas chercher leurs enfants. Mais... Peut-être parler à la meuf qui a des trous de mémoire, non ça oh. Oh, je me suis fait un jet d'arcane raté, donc comme je suis pas fort en arcane. Ah ouais, bah tiens, on va lui parler. Alors, elle est cachée où? Commander Portier, acting marshal of the Fist. If you have a crime to report, please wait outside. Ah bah super. Comme elle t'envoie la mort. Your tools were stolen. Il y a un gros coffre en bois là-haut. No. You were mocked. Wait.
Ah mais ils sont tous complètement, ils sont tous confusion là. Ils sont tous cons sans fusion. Là. Oh. Là, tu leur parles à chaque fois, ils ont. C'est qui ces gens là dans cette ville? Ils ont mis un sortilège. Mais lequel? T'as pas un dispel de masse, de masse, au moins c'est réglé quoi. De marche? De marche? Un dispel de marche. Un dispel de marche? Ah, sans saut. Arceau. Arceau. C'est parce qu'il fait moins 6 dehors, j'ai du mal à parler. Ah, y'a juste quelqu'un qui nous voit quoi, c'est pas de bol. Y'a quoi? Oh, regarde. Y'a un coffre. Et c'était la dernière fois qu'on entendait Weird Make. Non, je suis celui-là, c'est juste. On rappelle la grande époque de haut où en plein raid t'as un gars qui a balancé. Je crois qu'il y a un arbre qui va s'effondrer devant la maison, et puis la déco. Pardon. On a dû attendre une semaine et demie pour avoir des nouvelles en mode ouais, il y a effectivement un arbre qui s'était pété la gueule devant la maison, qui a arraché toutes les lignes. Ah ouais, chaud. Ah ouais, mais genre toi t'entends ça, t'es en mode j'espère que ça va du coup. Le coffre il était nul, je l'ai ouvert, il y avait rien. Ouais. Il y avait des trucs mais c'était pas suffisamment intéressant pour les voilà. Comme ça vous savez. Il y a un gars qui demande qu'on le frappe. C'est pas... Non mais il est mort déjà là. Ah bah il est pas en très très bon état le... Mais c'est pas un... Non mais il est pas... C'est un mort vivant, genre 100%. Bah oui. Back for more. I don't mind. So long as you're paying. Oh là oui. Plenty. Lots of angry people in this city. No one else to take it out on. Go on. Bon, du coup, je suis en train de lire des trucs. Où est-ce que vous êtes passé? Qu'est-ce que vous faites? Quel est le... On est entre le temple et la caserne. Ah oui. Il y a une petite ruelle et il y a un mendiant en gros qui propose qu'on lui défonce la gueule pour 15 pièces d'or. Combien? Ah bah vas-y, let's go, moi. Mais tu vas pas acheter 15 pièces d'or pour taper sur une momie? Wow. Mais qui on s'en fout? Tu butes des mecs par pelleté de 15. Ça fait peut-être une quête. On peut toujours essayer de le frapper, mais... Mais par contre là-bas il y a une porte. Et une boîte aux lettres. Je sais que dans la boîte aux lettres il y a des trucs où des gens voulaient se retrouver, se sont pas retrouvés, il y a eu des menaces, et puis après la porte elle est verrouillée. J'ai bien envie de mais quel putain, vas-y hein. Ouais, vas-y. Fais-toi à plaise, tise ton gold hein. Bah, je sais pas, ça les a pas donné parce que je les ai pas, je crois. Ça les a donné, mais tu dois le frapper après. Et, bah, t'es sûr qu'ils sont partis les 15 PO là? Mais tu les avais pas les 15 PO. Ah oui, donc ça lui a pas donné. Ils sont partis de chez moi hein. Allez, viens, je te file 15 PO. C'est bizarre, t'en as pas. Hein? J'étais en train de splitter mon tas, espèce de. Bah, de gros tas. Voilà. De gros tas, voilà, c'est tout. Voilà, espèce de gros tas. Je suis dans la société pour la protection des morts vivants. Oui, c'est pour ça que tu t'amuses à des. Comment dire? Je les protège. Je les crée, je les protège. Désacraliser le cadavre d'un. Mince, je sais plus comment on dit le terme. Ange. Non. Céleste. Quand tu souilles un truc, putain, c'est pas désacralisé, c'est... Ouais, bref, un truc d'autre genre. Oh, ça, on en a pas... Profané. Oh, c'est un détail. Ouais, c'est un détail, bah ouais. Pourquoi? Je peux même plus lui dire que je veux le taper. Bah, si tu l'as pas encore tapé, tape-le. Tu m'as repris les sous, mais t'es... Mais non, t'as 30 pièces d'or. Bah, tu t'as déjà payé une fois et il attend que tu le tapes, c'est tout. Mais tape-le. Alors, je sais pas si c'est. Ouais, tu prends une attaque. Tu prends une attaque à point. À point et tu lui maraves la tête. Ouais. Je sens le plan Hulk, mais. Non, mais le gars il demande. Bon, voilà. Hein. Sinon, je fais avec ma mode. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça a pas l'air de déranger. Bon. Ah, c'est bon. Là, j'ai payé. Ah, super. Je peux de nouveau le tapasser. Voilà.
ça n'a pas l'air de faire grand chose, hein, moi je te le dis. Ce que je comprends pas, c'est que t'as perdu une pièce d'or, mais. Bon. T'as pas pu le taper. Bon, c'est super. Hein, voilà. Bon, bah viens dévorer cette parse. Vous êtes allé à l'étage ? Y'a rien à l'étage. Tu veux qu'on fasse quoi ? Y'a une porte. Et y'a une porte ? Ouais, sinon, moi je l'ouvre avec des Eldritch Blast, mais ça va faire un peu de bruit quoi. Non, mais là où je suis, y'a une porte. Non, c'est pas là où t'es. Mais là où je suis, y'a une porte. Voilà, elle est ouverte. Il a crocheté la porte. Mais c'est fou, tout le monde s'en fout. Ambiance, hein. Là, c'est sympa. C'est pas un peu le temple de je sais pas qui, là. Allez, bon, je récupère les jambes du clown. Hop. Ah, mais le clown, on a... Ah, ah ouais, toujours cette histoire de clown et de corps, là. Ouais, ouais, ouais. Fausse tête de Balthazar. Attends, je te mets des pare-chauds, Arda. Je te rends ton truc de malédiction, paf. Ça doit bien boucaner là-dedans, n'empêche. La bonne pièce fermée avec des entrailles dans la fontaine, là. Oui, et puis avec la température ambiante, à mon avis, ça a eu le temps de bien putréfier, là. Oh, et puis ouais, il y a eu une action aujourd'hui à Toulouse, devant le centre des impôts. Ils ont déversé du fumier alors qu'on est le bâtiment juste à côté. C'était plaisant as fuck. Ils ont pas fait ça. Hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, je pense encore. Avoir pété la porte, si tu veux, ça lui a pas plu. Hein. Mais. Je pense qu'avoir pété la porte, ça a pas dû lui plaire. Hein. Ah, j'ai récupéré une proficiency en intimidation, par contre, ça c'est cool. Et oh là, bon allez hein, YOLO. Oh, allez. Elle va encore faire le tour de tout le groupe en fait. Détruire. Ben voilà. Elle va nous demander à nous. Hein. Qui sera le suivant? Personne, elle en voulait juste au nain. Bon. Ben ouais, je sais pas, c'est une raciste. Ouais, vous faites ça parce que je suis nain. Ouverture de porte. Une boîte aux lettres. Merde, la porte. Vite, volons du courrier. Et... Regarde, tu te balades avec ta bobille, y'a personne qui est dérangé, non? C'est vrai. Peux entrer dans la taverne? Je suis tout à côté de toi. Idée. Bon, pourquoi? Généralement, quand on... Dans un groupe de donjons et dragons, quand on rentre dans une taverne... En plus, ça nous a fait gagner de l'XP, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Taverne du champ de l'elfe. Ouais, enfin, il nous reste encore 17k d'XP avant d'arriver au level 12, hein. on attend de voir venir. J'en ai fait débuter quelques groupes à la taverne du champ de l'elfe. Hein. Oh, l'amulette, elle vaut que 65 PO. C'est la base. Et l'amulette? L'amulette de prêtre turbo bien que j'ai récupéré là dans le temple. Elle ne vaut que 65 PO. T'es déjà en train de vendre, hein? Non, non. Bah non, je vais pas vendre 65 PO l'amulette. Ah, y'a Katox qui est en train de discuter avec le tenancier. Tavernier, je suis sûr qu'il y a un truc où on va faire des concours d'alcool. Ah, l'étage est là, par contre, on n'a pas l'air de pouvoir y passer. Y'a des points et des points là qui font chier. Moi, je vais tenter. Ah, bah non! Ok, crime scene. On n'a pas le droit d'y aller. Oh, mais je vais louer tout l'étage. Non, non, gratos, tu peux le faire gratos. Vas-y, tu peux l'avoir gratuitement la chambre. C'est vraiment un main jusqu'au bout, toi. Ça. Ah, mais non, mais j'ai 200 PO, c'est 200 PO. Je vais regarder ce qui se passe au sous-sol, tiens. Ouais, allez. Ah non. Bah c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il a fait encore lui? Ah, et bah, il s'est retrouvé dans la chambre avec tous les rats, je suppose. Oui. Allez, bah attends, on va dormir dans une suite les mecs. Allez. On est parti. Allez, venez avec moi, je vous montre la...
La pièce de résistance. Attends, ça charge. Ah, attends, bah je charge Jarda. Voilà, c'est bon. T'es là, Katox? Ouais. Incroyable, ça ne s'arrête pas. Il y a tellement de gens dans le truc. De quoi? Oh ouais. Oh, y a un. Pour moi, ça. Encore un truc avec plein de rats? Apparemment, oui. Il reste plus grand chose comme rat, hein, de toute façon. Attention. Attends, je peux le jeter où? Putain. Pourquoi tu tires sur la momie? Tire pas sur la momie. Ah, j'ai cru qu'il avait tiré sur la momie. Il reste des rats? Ouais, mais j'arrive pas à le viser avec mon. Il en reste un. Il est où? Mais pour lancer des sorts sur ça là, là moi je jette mon. Jette est-ce, mon, que tu l'as, mon est-ce que tu l'as est-ce que tu l'as toujours ton arme ou est-ce qu'elle a disparu encore une fois? Non, je l'ai. Non, je l'ai. On cherche quoi en fait ici? En fait, il y a un passage pour aller à l'antre secrète du de l'empereur. Hein. Hein. Ah oui, tu. Je ferme la trappe avec le tapis dessus. Voilà. C'est de la ruse. Ah yes, c'est vrai, il y avait. Bon, ça va, le gars, il est plutôt. Attends, je vais peut-être prendre une popo de soin, moi, parce que. Ah, mais attends, c'est des Gitians qui de merde. Clé. On va pouvoir les tuer. Attendez, moi je me soigne. Attendez, je vois mon élixir. Est-ce que je prends une méga potion? Ouais, non, je prends ça. Of course you had help, didn't you? From the illithid you carry inside the astral prism. How quaint that we should meet here, in the very place that it once called home. We know all about the. C'est bon, moi je suis OP. Ready? Je suis en train de leur parler. Ah, tu leur parles? Ah, tu leur parles? Bah, ouais. Ça, je peux les insulter avant de les taper dessus. Ah, c'est la base. Vicious Mockery. Attends, alors moi je vais m'approcher. Je vais me caler contre l'un d'eux. Ouais, dans le fond de la cinématique, c'est incroyable. Vous me voyez là? Eh, va voir, je passe à la télé. Non, mais c'est vraiment avec la, avec le halo de lumière hyper discret. Vous me dites quand vous dites que c'est la bagarre. Moi, c'est bon, je me suis rapproché de. Je suis prêt à frapper. C'est la guerre? C'est la guerre. C'est la guerre, Napoléon. C'est la guerre. Oh bah c'est moi qui commence à jouer. C'est... Est-ce que c'est la guerre? Moi je veux faire la guerre. Ah attendez, attendez. Stop. Tu attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu attends. Attends, tu attends bien calmement. Arma n'est pas dans le combat d'ailleurs, par exemple. Oui, mais ce qui est bien, c'est parce que du coup, on pourra faire ça au prochain épisode. Ah bah oui, mais oui. Allez. Bien vu. Allez, à bientôt. Allez. Tout le monde. Des bisous. Si vous me détestez, c'est normal. Ciao.